Salut, c'est Hubert pour Danse à la Maison. J'espère que vous allez bien. Vous avez envie de danser, vous avez toujours envie de bouger votre corps, de transpirer, de vous faire du bien. Alors dans cette vidéo, c'est ce qu'on va faire. On danse, on se fait du bien à la tête, au corps, aux jambes. Et c'est parti maintenant. Ha! Alors dans cette vidéo, on va danser sur la bachata, El Canto de la Sirena. Et je vais vous montrer deux pas de danse pour pouvoir bien danser la chorégraphie par la suite en musique. On y va? Go! Très bien, vous avez bien dégagé la piste, hein, le canapé, le fauteuil, les enfants, les grands-parents, la mamie, le papy. Voilà, vous êtes à l'aise pour pouvoir danser cette chorégraphie de bachata. Alors, je vous montre le premier pas qu'on va faire sur les couplets. Et puis ensuite, je vous montrerai le refrain dans la deuxième partie. Alors, pour commencer, on va commencer pied droit. Et vous allez aller ici avec le pas de base de bachata comme ça. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va se tourner. Hein, profil, vous ce sera gauche, et on va aller ici, 1, 2, 3, 4, vous avez vu, hein, je passe mon pied devant, ensuite on repart en arrière, 1, 2, 3, 4, et ensuite on va juste faire pause, tap, j'attends, pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté, je vous montre, 1, 2, 3, 4, et ensuite je vais ici, sur le profil, moi c'est gauche, vous c'est droite, 1, 2, 3, 4. Ensuite, je reviens. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je balance. Pause, tap, pause, tap. Je vais le refaire. Hein. Regardez encore une fois. Donc, on se déplace d'abord vers le côté. Marche, 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 tap. On va tourner notre buste pour se mettre profil. Et on y va. C'est comme si on faisait un U. Et là, comme ça, je fais la première branche ici. 1, 2, 3, 4. Là, je le fais en pas chassé. Je ne passe pas mon pied devant. On peut faire comme on veut. Je repars en arrière. 1, 2, 3, tap. Et ensuite, je fais deux balancés en faisant pause, tap. Et deuxième balancé, pause, tap. Je change mon poids du corps, je change d'appui, je transfère le poids du corps. Ensuite, on va aller de l'autre côté. Donc, je fais 1, 2, 3, 4. Hop, je passe sur la deuxième branche. 1, 2, 3, 4. Et je repars. 1, 2, 3, 4. Et je reviens. Balance, balance. Oui, super. Ça va? Une dernière fois sans s'arrêter? Allez, c'est parti. Attention. 1, 2, 3, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Et 1, 2, 3, 4, reviens. 1, 2, 3, balance. Pause, tap, pause, tap. L'autre côté. 1, 3 et 4. Et 1, 2, 3, 4, reviens. 1, 2, 3, 4, balance, balance, tap. Et ensuite, on refait ça plusieurs fois. Je ferai des signes si je vais en avant ou si je reste ici en balancé. Très bien. Alors, si ça s'est bien passé, mets la vidéo en pause et fais l'exercice maintenant. Yeah ! Ça va ? T'as la banane ? Très bien. La première partie, ça s'est bien passé ? Alors maintenant, on va faire la deuxième partie. Tout simple. Il y a un petit tour à faire et puis une petite glissade. Ah, attention, non, on ne va pas tomber, rassurez-vous. Donc, ce qu'on va faire pendant le refrain, on va marcher ici vers le côté. Donc, ça va faire 1, 2, 3, tap. Ensuite, là, on va tourner. Moi, ça sera à droite, mais vous, c'est vers votre gauche. Donc, je vais faire marche, 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 tap. Vous avez vu, mon pied va bien dans la direction où je veux aller. Donc, vous, ce sera vers votre gauche. Je le refais. Donc, on fera une petite marche d'abord. Préparation 1, 2, 3, 4. Et ensuite, là, je vais tourner vers ma gauche pour vous et vers ma droite pour moi. 5, 6, 7, tap, 8. Je vais bien dans la direction, je sors bien mon pied dans la direction. Ensuite, là, on fait un petit déplacement en glissant comme ça. Là, je plie, hop, je pose mon pied, je glisse. Vous, ce sera le pied droit, je laisse glisser. Et je vais faire tap, tap. Et on fait un deuxième glisser ici vers l'autre côté. Je glisse, j'ai plié juste un peu avant. Et tap, tap. Je le refais, le glisser. Regarde, il faut quand même un peu plier, fléchir la jambe. Comme ça, on transfère le poids sur l'autre jambe. Hop! Je laisse glisser l'autre jambe et je fais tap, tap, deux fois. Et ici, je fais glisse et tap, tap. Et comme ça, on repart sur déplacement en marchant. Tap, je tourne, marche, 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 tap. Et je glisse, glisse, tap, tap, glisse, tap, tap. On a fait ça deux fois. Une fois qu'on a fait ça, on va faire devant, tap, devant. Tap, et ensuite on va derrière, derrière, tap,
Pour finir, on refait le déplacement. 1, 2, 3, tape. 1, 2, 3, tape. Et ensuite, je glisse. Tape, tape, je glisse. Tape, tape. Super. Ça va? On se refait ça sans s'arrêter? D'accord? Attention. 7, 8, déplacement. 1, 2, 3, et tape, tourne, marche, 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 je glisse, glisse, tape, et glisse, et deuxième fois, marche, 1, 2, 3, et tape, marche, et tourne, et glisse, et tape, glisse, en avant, devant, devant, derrière, derrière, et marche, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8, et 1. Tape, tape, et hé. Hey. Tape, tape. Et ensuite, on reprendra une petite base ici, le temps d'attendre l'autre couplet. Super. Travaillez bien ça, bien lentement. N'oubliez pas, vous pouvez baisser un peu la vitesse de la vidéo. Et sinon, vous pouvez mettre maintenant en pause pour travailler l'exercice. C'est parti. Ya yeah. En musique. Salí desde el fondo.
Super, ça s'est bien passé pour ce morceau de bachata. Vous avez bien bougé votre corps, vos jambes, les hanches. C'est super, votre santé vous dit merci et votre bien-être aussi. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce cours. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'ici là, dansez bien à la maison. Ciao! Ah!